در هر قدم برداشته شده برگشت نیست. J'avais vu tout ça dans les livres d'histoire. La chute de Babylone, la décadence de Rome, la déroute aztèque, la débâcle phénicienne, les noyades khazars et hittites, toutes les raclées des champions obsolètes, jusqu'à la folle agonie de l'orgueilleuse tour de Babel. J'avais vu exploser de haut en bas les tours jumelles de New York, assister à l'embrasement sidérant de Notre-Dame. Mais j'avais pas tout vu. La fin des haricots pointait vers la nature, notre propre nature, un vrai ramdam, où des dames qui n'en étaient pas voyaient damer des ramdams par des hommes qui n'en étaient plus. J'imaginais avoir digéré l'histoire de la décadence, mais j'éprouvais une réelle gêne éthique, l'effet mère qui perdure et perd ses polices d'assurance. Et oui, perd ses polices avec sa Macédoine de mauvais plans, d'un plan amer et d'un plan mammaire. Ce matin-là, je venais de repérer 6 barbus roses bonbons et barésilles, tranquillement installés en classe maternelle, à se dandiner devant des tout petits. Ils annonnaient, en lisant à voix de fausset, bouche écarlate et mascara, la mascarade d'un conte des fées. J'ai bien dit un conte des fées, pas un conte de fées. De mémoire de conteur. Du plus loin qu'on se souvienne, jamais nul d'entre nous ne fut poupée barbiche. Juste des voix de la nature. Affolée, je suis devenu tout bleu. Un compteur bleu, plutôt électrique, comme on voit chez certains dieux de l'Inde. Je me sentais tel Shiva, qui dut boire le poison échappé de la mer de lait avant qu'il ne se répande et ne détruise le monde, pour tenter de le changer en nectar. Car mieux vaut nectar que jamais. Ce vieux mot, nectar que j'aimais, était un bleuet sur les bleus à l'âme, une jacinthe des lavandes d'hier, des lavandières qui nettoient tout, si belle à voir au lavoir de la vie. Alors je me retrouvais comme Parvati, serrant le cou de Shiva, son homme si brave, pour protéger son corps de l'alali. Moi qui me croyais prêt à assister à la décadence de notre pauvre monde, moi j'avais visionné des reportages sur Sumer. La fin de Sumer, c'était pas super. Mais voilà, c'était un autre genre. Je me suis retrouvé téléporté, transporté entre le Tigre et l'Euphrate à Babylone, avec 6 créatures hollywoodiennes, telles des mezzo, potes, amis, sûrs de leur bon droit et de leur arceau à pervertir la nature. Je me disais, il y a des coups de pied occultes qui se perdent et des pratiques occultes qui cherchent des grandes vitrines et des petites victimes. Je me disais aussi, voilà 40 ans que tu t'appliques à nourrir d'images bienveillantes la sensibilité et l'imaginaire des tout-petits, et il suffirait de 6 pioches pour piétiner les fleurs de l'enfance. Comprenez, je ne m'en prends pas à celles ou ceux qui seraient mal dans leur peau, d'homme ou de femme, mais aux provocateurs qui prétextent une séance de lecture de contes pour mettre en scène leur propre version de peau d'âne. Oh, drôle d'époque. Mais Mephisto est passé chez l'esthéticienne.
ses chiens au toilettage. Il s'autorise à déporter des aspirations minoritaires et intimes pour agresser la loi naturelle et photocopier son indécence à tout va. C'est un spectacle à pleurer, à hurler, à prier les saints de toutes les femmes et de toutes les mères, à implorer la vigilance des pères et leurs mains calleuses de larges paumes qui ne se sont pas paumées pour les inviter à protéger l'enfance, à être les dieux bleus de l'âge d'or. L'autre jour, quelqu'un a apostrophé mes animaux. « Je vous soupçonne d'être un homophobe misogyne. » Moi, j'avais compris « hormonophobe ». J'ai répondu que j'avais pas la phobie des hormones. Pour peu qu'elles vivent leur vie et qu'elles me laissent vivre la mienne et celle des mômes. Et là, une fille très sexy, mais plutôt balèze, m'a dit « C'est quoi ton identité de genre ?» Moi, j'ai dit, vous parlez comme les médias, j'y comprends rien. Là, tout ce cirque romain, ça met la nature sans dessus-dessous. Pourquoi pas la Méditerranée, qui se croit enfermée, qui se sent plutôt transatlantique? Elle soulèverait ses jupes pour se barrer avec ses bancs de morue et ses barbus. Allons un peu plus loin. Prenez un Russe qui rêve d'être un Espagnol. Deviendrait-il un transsibérien ou un transibérien? Et pour un coq? Un transpondeur? On pourrait dire aussi le Puy de Dôme qui devient la Puy de Dame, le Mont Blanc, la Mont Blanche, la Napurna, la Nana Purna, la fille au Népal, les bas en haut, tout retourné. Il y aurait bien un fou qui trouverait que sa chienne a du chien et il demanderait qu'on l'opère pour qu'elle devienne un hot dog. Mais même chez les anti-autoritaires, pourquoi pas devenir lupanarchiste. Ouais, un homme de peine à la place d'une fille de joie. Mais quant au département d'outre-mer, il pourrait se transformer en département d'outre-père. La Manche qui se verrait bien sans manche, exigerait-elle qu'on l'appelle Polo? Elle enlèverait sa chemise. Il n'y aurait plus d'eau. Le Costa Rica pourrait bien devenir le Costa Rico, le Gabon, la bonne Gabi, et jusqu'au sein du ciel, Saint Paul, à la longue barbe noire, se ferait appeler Sainte Paul, l'ex-gaillard à large torse, qui ne saurait plus où lui, où nous autres, les hommes, nous nichons. Et quand je dis nichons, tout s'affaisse. Adam lui-même, le premier-né, prétendant qu'il est, en son fort intérieur, bien plus Adam qu'Adam. Ferait-il pour autant un pèlerinage à la Mecque? Et Ève, la première femme, voudrait-elle croquer sa pomme, sa pomme d'Adam, pendant qu'il chante avec son boa « Mon truc en plume » dans les branches d'un charme? Alors, si le soleil nous disait « Hé, ça suffit !» et la lune aussi, faisant pleuvoir de bons arguments naturels. Mais leur jeune ado, leur ado de la Méduse, toujours rivé à son écran avec des malwares, des logiciels malveillants, prétendrait-il qu'il faille désormais l'appeler Arc-en-Yel? Voilà comment les couleurs elles-mêmes perdent leur sens et l'ado
l'essence de sa voie lactée. On a conseillé à mes animaux de se taire, de faire gaffe à ce sujet qui serait miné, qu'on pourrait les prendre pour des mots des passés. Mes animaux ne se font pas manipuler par la trouille ou l'embrouille. Ils aiment la liberté, la clarté, la nature et l'intimité. Ils voient comme on nous parle et comme on nous malmène. Ils sont des mots de l'âme pour démodeler, parce qu'ils sont des mots de lait. Ils ont des pères et des mères, des petiots, de la fraternité, de la sororité, et ils peuvent être gais ou étranges. Mais tout en chantant comme François Béranger, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, vous n'aurez pas ma fleur de cœur, ni celle de nos petits. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur.